Alors,
tête d'une mère. Forcément, elle a l'antidote. Pas contre les sorcières, contre les ponts. Et ton père, qu'est-ce qu'il a dit? Il était contre la fenêtre. Tu m'étonnes que tu ne pas la fenêtre. Moi, à ta place, j'aurais été pareil. Sauf que moi, je le sais bien. J'imagine la tête de ma famille, découvrant de là-haut, mon corps écrabouillé sur la dalle. Ma mère s'arrache les cheveux, tombant dans les pommes. Mes frères et sœurs poussant une place entre les deux trous. Après une marche honteuse, plus jamais ça. Plus jamais quoi? Plus jamais d'enfants ou plus jamais donc de camp qui s'écrase sur la dalle. Je le vois d'ici, mon enfermement. Une foule immense. Et toi? Tu apparaîtrais en haut des trous, lors de l'éant du souffrant. Tu ferais briller ton vertige. Et des terrasses, tu lancerais plus d'humilité. Plus jamais de bébé qui se jette par la fenêtre. Plus jamais de fille emmurée dedans. Et en bas, des centaines de bouclés. Une main sur les yeux, une main sur les yeux, pour capter un peu dans les places. Des yeux, des liens, interlignés. Et connaissant les potards. Des lignes qui vont appeler une attaque. Alors, est-ce que c'est mon histoire? Ça ne trouve pas d'affiche? Je dis avec vous. Ça ne vous regarde pas. Moi? Comment tu t'appelles déjà? Racine, je m'appelle Racine. Pas comme ça vous t'appelle. Je m'appelle Racine, mais. Plus fort! Je m'appelle Racine. Comment tu t'appelles? Racida. Je m'appelle Racida. Encore? Racida. Encore? Racida. Écoute-moi bien, Racida. Cette nuit, c'est un avertissement. À partir de maintenant, je vais m'occuper de mon enfant. Merci Dieu. Thank you.
avec les camions SSC. Les vitres sous le choc. Et du coup, ce matin, on les remplace. Donc, il m'appelle et tout. Quand il cherche du boulot, vous êtes à me remplacer? Il dit, j'ai pas le permis. Il parle de pompier, il met la bourrée, il monte dans la camionnette et t'attends le client. Tu peux te faire 1000 euros de la journée. 1000 euros? Eh bien oui, j'en veux. Vous faites ça souvent? Je ne sais pas. Moi aussi. Bon, ben, je vais y aller. Les clients vont se faire changer. J'avais un peu, j'ai mis la pancarte. Reviens dessus. Mon pays m'a dit, quand tu as un peu, tu prends ta nièce serviette et tu vas au numéro 32, chez les tons. Madame Tombré, tu ne peux pas oublier. Bon, c'est vrai que ça se fait ça. Bon ben, je vais y aller. Thank you.
C'était trop tard. Anna, ma chérie, viens te voir, on va appeler ton père. Ou bien on va appeler ton leader. Ou bien maintenant, non plus. Anna, je suis en fait. Vas-y, fais la tête la gueule. N'est-ce pas, vas-y. Ouais, on va faire ça. Je vais leur fermer la gueule. Même si ça se dit, mais non. Même si je passe pour une gueule, pour un con. Même si je passe pour une folle. C'est eux les enculés. C'est pas moi. Quoi, qu'est-ce que vous faites? Non, je crois pas. Il n'est pas disponible. Il a des soucis. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et moi, je n'ai pas les soucis et pas super souvent. Ça va. Allô? Jean? Jean, tu peux plus. Jean, tu peux plus. Les gens, qu'est-ce qui t'arrive? 5 minutes. Les gens, c'est Anna? C'est soutenu? Quoi? Qu'est-ce qu'il attend dans celle-là? Anna! Je suis venue rapporter ça. Anna! Anna! Je veux voir Anna! Les montagnes, tu as vu? Seigneur, j'entends un vent et la bête se retourne contre moi. Je ne l'ai pas aimé comme ça. Je l'ai aimé dans la droiture, dans le respect des règles. Je l'ai poli jour après jour pour qu'il devienne un enfant modèle, pour qu'il soit même adoré, qu'il brille. Je l'appelais mon diamant. Je l'ai donné de l'affection, de l'instruction. Je l'ai promis partout. À la musique, au sport, au catéchisme.
voir Anna. Qu'est-ce que tu veux, Anna? Je veux qu'elle me rende ce qu'elle m'a pris. Qu'est-ce qu'elle t'a pris? Moi, dans les yeux d'Anna. Moi, dans tes yeux. Moi, défonçant. Je suis victime de la pharmacie. J'apprends les victimes de la pharmacie. Arrachant les palmes avec les pieds à poil. Vous dans les camionnettes. Moi. Fermez dans son regard. Vous donnez une visibilité sans douleur. Elle était là. Elle a répondu. Avec ses yeux sans douleur. Je ne peux pas rester toute ma vie dans ces yeux-là. Cette vie, c'est le diable. Tu dis bien que vous l'avez. C'est le rôle de l'image! Thank you.